ou sous TV la caille pour ceux là qui à peine connecté, et bien nous comptons avec vous dans troisième vidéo journée hein, et qui chargé bourré avec un pile information et sous pays d'Haïti à quand reste monde là, et bien et zo nous connaît qui lui même en bas mais FBI en pile gros chabrak en gros palto dans pays d'Haïti déjà prend diarrhée qui donc et chef gang zo là monsieur pral bay causé et commencer parler bay FBI gen en pile dominicain qui paniqué gen en pile gros chabrak haïtien tout qui au même déjà et acheté bloc papier mette bon côté parce que vente passé prendre yo les autant des chefs gang zo dans mes FBI et connaît qui quantité et gros chabrak haïtien qui au même comploté avec bandi pour faire kidnapping pour tout le monde et même et bien et mettez pays à côté lié là et bien les chefs gang zo tombé en bas mes FBI n'ont pas besoin de dire qui quantité nèg là qui gen diarré vente passé et même colora prendre yo en tout cas nous pral fort tendez causer en dans vidéo ça et ou pral saisir tendez qui côté chef gang zo te caché toute l'elle t'a fait live toute l'elle t'a voyé monter et bien sous et Facebook et YouTube mesdames et messieurs. Liliane Tou qui lui-même parti avec un bon tête Martin Moïse ancienne première dame pays d'Haïti qui lui-même ta suspect dans dossier assassinat président Jovenel Moïse c'est ça en pile monde et donc a posé cette question est-ce que Martin Moïse innocent ou pas et bien nous pourrons le faire entendre tout en détail en dans vidéo ça avec Liliane Pierre Paul et qui lui-même pral fini avec carrière Martin Moïse restez connecté bonne écoute tout le monde n'a tourné ouais deux petits jeunes ça yo Tipiti sa par exemple. Son ti jeune, peut-être en pile nèg sou kwa de bouke a 40 monsieur. Son nèg a conduit auto longtemps, monsieur conduit camion, monsieur conduit trailer, etc. L'autre tipiti sa, monsieur se ti frère zo. Ki kote zo passe? Pendant ma parle avec la, d'après toute information m genyen, zo nan men FBI. Et tout l'autre, ouais, zot a fait live, parlant pile, etc. Monsieur bat ken l'autre côté. Ok? Tendez, oui? Tout l'autre, ouais, monsieur a fait live. Monsieur bat ken l'autre côté, monsieur était là tout près Jimani. Tout près, Jimani, monsieur Teye, tout l'autre, on a fait live, etc. Bagay l'a dénoncé bandio. Monsieur Teye, Jimani. Et c'est deux messieurs m'a tourné sous dossier ça. Parce que je veux plus pour entendre, pour me expliquer qui travaille Tete a fait dans la République. Monsieur Teye, dans une petite localité qui est Boca de Kachong. Boca de Kachong, c'est là, Zoteye. Et ça te fait, nous prenons le temps de dans la vidéo ça demain. L'autre petit nègre avant, de la mong, monsieur dit que, bon, pose une question, chef là. Est-ce que Zo te capital? Non, Zo pas de capital. Monsieur est tout prêt là dans Jimani. Et c'est Tibiti ça te prend facilité que monsieur devienne visa pour aller. Qui s'acrive nègre? M'en pas contre petit frère, c'est monsieur, depuis sujet, monsieur, ou le bandit. Et de sérieux, nous prenons faire un temps d'émission demain. De voir tant d'émission, ils sont petits bandits qui ont parlé. Mais l'autre pitié, monsieur, même t'as travaillé avec un boss. Un Dominicain. Qui c'est un plus gros boss 400 maozo. Yore le monsieur Chou, yore le monsieur Choupi. Et m'a venu à tout détail sur monsieur avec vrai nom, monsieur. Yore le m'tier réalité, lui, son gars. Et ça seulement nous fait pour le pays. Oui. Nous besoin d'un petit branche fil pour nous gambe pour nous continuer à avancer et puis démasquer les gens. Vous avez ce qui a passé dans l'examen là, collègue, criminel patenté. Information t'a fait quoi que Tibi dit ça, monsieur pas vivre encore. Mais nous pas confirmé ça, mais il y a un pile monde qui dit que tu as tué monsieur. Mais vous avez dit monsieur il pas retourner, il pas aller. Parce que c'est monsieur, ça va parler là, c'est monsieur T. Arrangel pour te bailler visa pour te jeter. Et m'a l'expliquer côté bail ça sorti. Parce que gen boss qui cap servi ak zo et ça te fait zo parler et ça te fait nous deux m'a dossier ça. Premier dossier m'a parlé en sujet dans bail là. Là cité non Maxoni. Moi gen nèg Gavio Maxoni, c'est non,
Zokon sa la di. Zokon sa la di. Et malgré tout, zon a propose ouvrir livre li sou bluff liye, gen nek zot a protégé. Parce que moins gen conversation, par exemple, Nazer. Oui, Nazer, Nazer nan ba nan kota. Côté qui a parlé avec Maxoni, parce que Maxoni te pensé que c'est Nazer qui t'a fait coup de douette sous lit. Bah yon pile, oui. Bah yon pile. Parce que zote parle ou paquet de bagaille. Quel te Nazer, Jacques, qui, etc. Et l'autre bois, quand monsieur le Wilmer ou bien Wilhelm, pas fin de Marvin sous lit demain. Donc, zote parle de cité non ex, ou ben pral gade, comme si niveau implication chaque. Et l'on est arrivé sous Maxoni, c'est bon bail comme si comme ça. Et si DCPJ bien cuisiné Maxoni à partir de son portable, il y a un pile élément, il y a un pile bagay, il y a un jeune. Et il y a un gros boss 400 maozo, c'est Dominique ça, choupi. Et demain, si Dieu veut, je vais montrer qui s'actérielle, t'es lustre à tout bon. Parce que je vais dire que gang yo pas seulement en Haïti. Parce que, gon constat m'de fait, qui ça qui explique que bandi yo, majorité gang, majorité bandi qui la, yo tout gen yon passeport, yo gon visa dominicain nan men yo, majorité. Tande bien la société, majorité bandi yo, yo tout gen yon visa dominicain nan men yo. M'tap questionne ça. Eh bien, yon nan pi gwo boss 400 maozo, monsieur Rele Choupi et son dominicain lié. Monsieur gen plus pas son vingtaine trailer qu'a fait Haïti et République Dominicaine. Yon rele m'tire yel tel du son kare. Sou pat kon sa ou même. Merci à trois sene. Alors, policier agent 3. M'de di ça, oui, sene. Monsieur Rele Fritz Gérald de Faneus. Ou yon a pas suivi mission en tout boss. Que yon te assassiné. Et alors, Yvener a été assassiné dans Akaye. Et me songe, Michel-Ange de yon a époque là, t'as visité famille ça, qui te pote bagay pour famille, et te dit que, bon, moi, Michel-Ange te parle, il est d'anti français, bon, moi, ça le dit, tout juste un mois après, c'était en 9 avril 2016, j'ai déjà écrit comme ça sous page Facebook li. Tout juste un mois après, le DGPNH, Michel-Ange Deyon, s'est rendu à nouveau chez la femme du feu policier François Gérald pour apporter de la nourriture et articles divers aux jumeaux de la veuve. Il a promis de prendre toutes les dispositions pour continuer à accompagner cette famille, aussi bien supporter toutes les autres veuves se trouvant dans des situations semblables. Bon, ça nous était souhaité, mais est-ce que jusqu'à présent, il y a un suivi qui fait? Nous, pas qu'on est justement, mais son pays extrêmement compliqué et difficile. Merci. Alors, agent, c'était Fritz Gérald, justement, Faneus. Non, même moi, deux noms là, bon, moi, ce n'est. On va mélanger, bah, yo. Même d'où RNDD, je suis sur ton rapport sur ça. En tout cas. Demain, si Dieu veut, restez branché, m'a venir avec dossier ça, pour nous expliquer exactement qui ça bagalanye, parce que, justement, gon gros boss de 400 maozo, et dans vidéo ça, qui te prend la rue, oui, que tete gagne li, tete a gode, qui dit, que gado, nèg ma au travail, monsieur. Eh ben, m'bral fait entendre ça nèg ou te dit, et information que nous joignent, monsieur yota exécuté parce que l'an mois il était estimé que monsieur complice dans facilité que zo qui te veilla donc on pas quoi monsieur là alors que monsieur son nèg qui dès qu'on a cherché trailer le nèg prend trailer boss là et bien boss yo qu'on a voué gros l'argent la vie nous a demain si bon Dieu prête la vie. OK, bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Bon quand tu te gagne avec américain pour te venir combattre question insécurité en Haïti tant qu'on dans zone la boule en après. Nous pas connaît si militaire ça yo colombien ça était allé ou bien si est-ce que c'est même militaire colombien ça yo qui était ici et accusé qui participait dans crime. Non, en pile confusion, en pile zone d'ombre dans ça qui concernait assassinat ça et c'est un seul témoin oculaire et auriculaire qui vient de crime là, yo relé Martin Moïse et chaque fois le parlait li bail des versions qui variaient. C'est ça M. Camille Leblanc dénoncé dans interview li bail Radio Kiskeya.
ancien ministre justice et sécurité publique là maître Camille Leblanc estimé façon ancien président Jovenel Moïse ak équipe liant écraser système justice là pour te empêcher par exemple bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince maître Montferré d'Orval te joindre justice c'est une nan raison qui fait journée jodi a kapal la pa ka joindre justice dossier la bloqué dans système là dans interview sa ba radio Kiskeya jodi a ancien ministre justice ak sécurité publique sous préval maître Camille Leblanc dénoncé Martine Moïse et veuve ça qui c'est seul et unique témoin de exécution Marie puisque c'est au acte dans chambre là qui d'après lui-même pas suspendre bail une bande ak paquet version chaque fois elle prend la parole concernant qui Jean crime n'était passé pas oublier te dit Martine Moïse était à l'article de mort elle était quitté Haïti et puis pendant deux jours après il prend la parole ou deux trois jours dans même semaine non pour déclarer candidature à la présidence maître Leblanc estimé li important pour l'heure une enquête sérieuse l'ouvrir sur crime ça pour retourner sur toute une série de témoignages il parlait tout une série de personnalités tant que Claude Joseph nous songeait qui était décrété état de siège et qui était pratiquement dans tête un coup d'état pour te quebe pouvoir mais en après gon tweet qui pral retirer le nom même qui pral mettre Ariel il était chef CSPN gen ancien directeur général police tant tout Léon Charles qui pas jamais arrivé quand Jovenel Moïse qui était lancé alerte générale li attaqué et qui d'après témoignage l'autre monde yo arrêté dans dossier ça fait qu'on est Léon Charles pas déplacé plus loin que Pétionville il était campé dans zone Kinamnan et puis gen ancien ministre en justice avec plusieurs autres personnalités dans secteur tête caléa et dans la justice dans la police qui pas répondre Jovenel Moïse malgré appel il t'a lancé pendant une heure de temps pour te porter le secours. Ancien ministre justice et sécurité publique là déclaré li important pour la justice là faire course li dans tout dossier qui devant concernant pile ak paquet victime famille attend justice là des anciens bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince yo maître Montferrier d'Orval Jovenel Moïse a bouche li même te déclaré c'est deux minutes après crime là Madame ni Martine Moïse te déjà gen vidéo et maître Leblanc dit dans circonstances yo assassiné maître Montferrier d'Orval là li impossible pour l'autre monde te capable gen vidéo que monde qui était impliqué directement dans crime non n'a tendé maître Camille Leblanc ancien ministre justice et sécurité publique dans micro Vladimir Maurice Hidoy. Mon préval là Evans Descoufler et il était arrêté d'après nous note la police information était parlé de Panama mais selon l'autre officiel la police a parlé de Porto Rico et dit c'est autorité portoricaine qui était arrêté qui déporté en République Dominicaine et une délégation Polifront qui c'est police qui spécialisé sous frontière DCPJ était à récupérer de ça qui écrit dans notre plan et qui a récupéré li, il était arrêté le samedi 2 juillet 2022, c'est autorité portoricaine. Après ça, il a pimpé en République Dominicaine et jodi a li rapatrié et les que yo délégation Polifront ak DCPJ té à recevoir li sous frontière. Donc arrestation ça arrivé après té gen mandat d'amener et contre monsieur Lescoufler qui gen non cité plusieurs fois dans scandale et sexuel ou bien et pédophilie et pour viol li fait sous timoun abus sexuel et côté li fait l'attaquer pudeur publique et selon commissaire gouvernement près et bon côté tribunal première instance Port-au-Prince maître Jacques Lafontaine Evans Lescoufler yo tap chercher sans prendre souffle c'est bureau central national de Interpol BCN Interpol DCPJ après te gon mandat d'amener yo te émettre contre lui pourquoi il est là il dans garde à vue dans DCPJ en attendant côté li pral gagner pour répondre question la justice selon et suite judiciaire nécessaire d'après information qui sorti dans la police. Une principale victime ni qui fait parler de lui qui prend courage d'acte de mettre dossier ça dehors qui était victime et pendant tes petits de pédophilie Evans Lescoufler c'est Claude Alix Bertrand depuis Californie côté d'elle ben radio Kiskeya interview
les saluer arrestation ancien ministre jeunesse pour action civique hein, Interpol rivé arrêté samedi 2 juillet. Bon, parler de pays Panama, gon bay qui pourrait éclaircir est-ce que c'est la police tant qui mal bay notre là c'est Porto Rico ou bien est-ce que c'est Panama, nous pas connaît. Dans interview Libéré Radio Kiskeya depuis Californie pays États-Unis côté lié et Claude Alix et Bertrand fait qu'on est libéré pour paraître devant un juge ak Evans Escoufler pour juger parce que il dit il gagne bon gens preuve de sa ancien ministre et jeunesse pour action civique qui était tout puissant homme fort et dans gouvernement Prévalio te qu'on fait et abuser timoun sexuellement li croit un jour la justice a pour juger puis condamner monsieur Escoufler qui gagne plus passé 40 ans d'après ça le dit depuis l'a fait pédophilie en toute impunité l'a violé timoun yo te famille ou bien l'école côté te bali responsabilité yo n'a pas de Claude Alix Bertrand une victime qui t'est dénoncé ancien ministre là Evans Escoufler qui t'est parlé comme ça non micro Ketia Jean-Pierre Taylor. La justice poursuit son parcours, c'est-à-dire que on y a son cas qui non justice nationale et internationale. Donc n'a pas suivre pour que pour nous capable arriver devant un juge pour que Evans Escoufler capable juger pour tout crime que le commettio puisque son monde qui a plus de 40 ans d'impunité. Il y a plus de 40 ans que l'a violé Timoun, que l'a abusé Timoun sexuellement. Et je dis, pas de question encore sur ça. Nous avons trois preuves contre lui. Donc, il fait que c'est arrivé pour nous arriver devant la justice pour que nous capables de finir avec impunité, ça. Attends tout, c'est justice, son combat, ou à continuer, tant sur le plan national et international? Oui, ça, je me départage. Victimisation, pas moi. C'est parce que je voulais protéger l'autre Timoun. Avec l'autre famille, pour y'a pas besoin d'endurer. Ça que moi-même, moi, j'ai enduré jusqu'à ma mort. Ça que famille m'a enduré jusqu'à présent. Donc, oui, le combat continue pour que cette impunité arrête. Est-ce qu'on est capable de dire pour le moment où satisfait de, Jean Dossier Machia? Dans tout combat, c'est le nous mettre nous ensemble que nous sommes capables d'avancer. N'est-ce pas? Donc, c'est parce que moi, bien entouré. Donc, on a continué de travailler sur ça. Et puis, la satisfaction complète parce que la condamnation sera terminée. Voilà, depuis pays États-Unis, Claude Alix Bertrand, dans micro, Ketia Jean-Pierre Taylor, concernant scandale ça. Un dossier n'a pas suivi de très près. Nous allons aller dans le nord-ouest, côté nous connaît la police est arrivée, saisie, un chaillement. Zam ak munisyon sou yon bateau yore le Miss Lily et la police dans département nord-ouest a arrêté hier après-midi Jonas George qui s'est mettre bateau ça la police t'a saisi à bol plusieurs chaillements zam y a pas plus que 100 000 munitions avec l'autre zam était 1er juillet la police a arrêté Jonas George pour association malfaiteur trafic zam ak munisyon. Bateau ça et les Miss Lydia, li fait trajet port de paix Miami et li gen interdiction pour quitter port de paix et selon you not bureau immigration ak la douane voyé by direction départementale police dans nord-ouest. N'a pas de correspondant nous Saint-Jean Whiskis. La police dans nord-ouest mette maintenant Colette Jonas George propriétaire bateau qui portait nom Miss Lily, yon bateau qui fait trajet port de paix Miami. Et c'est dans bateau ça à tout, dans date 1er juillet 2022, brigade surveillance la douane dans ville Port-de-Paix, ensemble avec la police, t'est arrivé découvrir 120 000 cartouches d'armes gros calibre avec 30 chargeurs fusil automatique. Jonas George, propriétaire bateau Miss Lily, fait partie 4 individus. Paquet Port-de-Paix, sous l'ordre commissaire gouvernement, maître Michel Vigile, t'est metté mandat contre depuis samedi 2 juillet 2022. Pour association malfaiteur trafic zam ak munition dans quatre dossiers si là la justice ak la police dans nord-ouest continue à bousquer tant kou chien fou Marie Guilaine estimable Wilfried estimable Edi la France ak Nene ainsi connu des derniers individus sa yo Edi la France ak Nene ainsi connu t'es en prison civile pour de payant pour trafic zam côté des moun sa yo t'es joine libération sans perdre de temps sous l'ordre ancien commissaire révoqué par le PA, maître Jean-Volné Bellamin. L'important pour nous rappeler, dans une note paquet par le PA, mettez d'ailleurs, dans la date de juillet 2022, ça,
yon dot ki a joine direction départementale police nord-ouest lan bio immigration ak la douane port de paix ki fait mention bateau ki pote non Miss Lilia et ki fait trajet port de paix Miami pa gen droit quitter port de paix yon. Quant à Jonathan George qui se propriétaire bateau a li nan garde à vie an dan commissariat port de paix côté la répondre question SDPJ sous divers actes la justice reproche il yon dossier n'a suivre. Sergent Wiskis, Radio Kiskeya. Merci, Sergent Wiskis. N'a prêté toujours dans Grenoble, paysan qui victime dans plein haut, Marie Baroud, dans zone Wanamet, et dénoncé tentative, patron, compagnie, développement industriel Wanamet, la Côte d'Ivoire. Banque mondiale avec l'État haïtien a fait pour mettre main sur 65 carottes fertiles. Et paysans cultivés depuis plusieurs années pour capable agrandir zone franchement. Porte-parole organisation paysan victime Romari Baou Joseph Molière et dénoncé 20 l'année promesse qu'on devait pas respecter ni pas kembe en kenn nan promesse il te fait paysan yo l'elle t'a endiosé yo pour te prendre quantité terre dans mes paysan yo pour te mettre au dehors dans l'année 2002 pour te mettre zone France sous pied dans zone nan. Porte-parole paysan victime Romari Baou Joseph Molière te parlé comme ça dans micro correspondant nous dans nord-est Samson Charles Amazon. Aujourd'hui, nous présents là comité à et comité organisation paysans victimes Pitobè, c'est pour nous dire l'état haïtien éco de vie garder qui jardin que nous gagnons là dans terrain hein, yon manioc nous gagnons là. Aujourd'hui, nous dit que c'est pour yo encadrer nous. Au lieu que yon retire terre qui ka fait manger nan men nou, c'est encadrer nous, ban nous opportunité pour nous capable produire pi plus pour vente haïtien pas dépendre des dominicains. Parce que nous comprenons bien politique kap fait là, yon trouvé yon l'état qui applaudit, qui apprécie dominicain pour yon capable retirer droit de manger nan bouche nous, eh ben, pour c'est seulement dominicain nous même Bayokob et puis y a ban nous manger nous dit non nous même paysans victimes Pitobè nous dit nous même nous ka produit manger à tout c'est encadrer nous supporter nous pour nous même nous produit manger à je dis à nous avec grand étonnement nous tendez côté Côte d'Ivoire gagner intention pour le venir prendre 65 carreaux de terre pour l'augmenter quantité telle gagner li fait fabrique zone franche le fait qu'il gagne intention pour le venir prendre 65 carreaux de terre li monte yon comité champrel en dedans ville de Wanamet li di yo li pral faire sacré le développement combien fois nous konwè le moun pral faire développement ou besoin monter comité pour qui ça mairie en place mairie c'est li qui représente officiellement sou gen pour faire développement ou après les magistrats yo et ben ou di